Peu importe le chemin que nous venons prendre, peu importe les routes, qu'elles soient partagées avec plusieurs ou plutôt solitaires, nous sommes tous amenés à un point ou à un autre, à questionner qui nous sommes, à entrer dans cette quête de la connaissance de soi. Donc les principes de ma perspective, c'est un état d'esprit qui est dynamique, qui est vivant. Il s'agit ici non pas de retourner dans le passé et de vivre dans le passé, mais d'y retourner pour y puiser les éléments qui nous servent, les éléments qui vont nous aider à pouvoir avancer dans le présent et nous préparer pour le futur, et commencer à construire ce futur. Et une des questions primordiales et fondamentales de ce processus est la connaissance de soi. Ainsi, lorsqu'on perçoit ce principe qui nous a été donné depuis les temps anciens, qui est en fait la découverte de soi. La découverte de soi est un point essentiel. Comment peut-on avancer si on ne sait qui on est? Comment peut-on changer si on n'a pas encore fait une évaluation de qui on est? Si on ne sait pas ce qui doit être changé ou ce qui pourrait être changé ou ce qu'on veut changer. Donc le point zéro, le point d'établissement, le point de début, le point de commencement va être de prendre le temps de se demander qui nous sommes. Et ça peut être une réflexion qui est très importante parce que dans la socialisation que nous connaissons aujourd'hui, dans la vie moderne, la majorité d'entre nous ne prenons pas le temps de se poser ces questions fondamentales, de nos aspirations, de qui nous sommes, de nous définir nous-mêmes et non pas de laisser la société nécessairement nous définir, de nous définir en tant que d'individus, de nous placer et de voir notre rôle dans la communauté d'où nous venons. Et aussi, ultimement, bien sûr, de voir notre rôle dans cette sphère beaucoup plus large qu'est l'humanité ou qu'est l'univers. Donc, le premier principe que je partagerai avec vous aujourd'hui est le principe de la connaissance de soi. Et ici, il s'agit d'un principe fondamental parce que toute personne qui commence ce cheminement, comme beaucoup d'entre vous, vont se retrouver face à cette question tôt ou tard. Et il est bien plus facile de l'aborder dès le départ. Qui suis-je? Une question existentielle, certains diraient. Mais c'est aussi souvent une question très simple, qui semble très simple. Parce qu'il nous suffit de faire le vide et de prendre le temps de se définir. De regarder peut-être aussi les étiquettes qui nous sont mises à tous les jours. Suis-je juste une maman? Suis-je juste un enfant? Suis-je une sœur? Suis-je un employé? Qu'est-ce qui va nous amener à pouvoir nous définir? Doit-on se définir avec des termes qui nous ont été donnés, le nom qui nous a été donné, le nom qu'on a choisi, la profession qu'on a choisie, les activités qu'on fait? Donc ça va être une réflexion personnelle, une réflexion individuelle qui doit être faite. Chaque individu a la responsabilité de chercher à se définir, de chercher à savoir qui il est et quelle est sa place dans le monde, parce que c'est de là qu'on découle à trouver justement le but de son existence et les contributions qu'on peut faire ici. Bien sûr, il va de soi que tout le monde n'est pas sur le même chemin. Il ne s'agit pas ici de faire des comparaisons, de se comparer aux autres, de se sentir meilleur ou de se sentir moins bien. Il s'agit ici simplement de faire face à sa propre existence et de définir soi-même le chemin que l'on veut prendre, car c'est une question de choix. Lorsqu'on veut s'améliorer, on choisit de s'améliorer. Des événements peuvent se produire dans notre vie, mais il y a toujours un choix auquel on doit faire face. Et ce choix-là vient aussi de notre perspective. Notre perspective, nos valeurs, nos croyances vont influencer les décisions qu'on va prendre et conséquemment vont influencer les situations dans lesquelles on va se retrouver. Donc pour ce premier épisode, je voudrais vous encourager à prendre quelques minutes de votre temps. Notre socialisation moderne souvent nous donne beaucoup de choses à faire. On est souvent pris entre le travail, les activités, toutes les choses qu'on a fait dans notre emploi du temps, jusqu'à ce qu'on néglige même de prendre quelques minutes pour soi-même pour avoir cette réflexion. C'est une réflexion qui peut se faire pendant un moment de méditation ou tout simplement dans un moment de calme dans lequel on se retrouve seul avec soi-même. Donc, prenez le temps de voir comment ce principe de la Mahat, qui est la connaissance de soi, va s'appliquer avec vous.
spécialement si vous êtes parmi ceux qui découvrez maintenant la spiritualité ou qui découvrez une nouvelle religion ou qui tout simplement cherchez à faire du développement personnel, à travailler sur vous-même. Il va s'agir maintenant de vous découvrir, de vous redécouvrir, si on puisse dire. Et dans cela, les outils que vous rencontrerez, les informations que vous trouverez, vont vous permettre aussi de replacer et de vous recadrer, de vous recentrer. Et la question sera toujours de trouver qui on est et de pouvoir par la suite décider si on veut changer certaines choses, si on veut pousser et s'améliorer et parvenir à faire, à accomplir le but qu'on a dans la vie, ce qu'on est descendu ici pour faire, et aussi à poser les contributions qu'on voudrait faire. Et ça, c'est vraiment un choix. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé. On peut choisir d'être un héros, ou on peut choisir d'être un passant. On peut choisir d'être actif dans son propre histoire, dans sa propre histoire. Mais on ne peut point choisir d'en sortir. Et comme vous êtes dans cette belle histoire qui est votre vie, je vous invite donc à cette réflexion interne, à ce voyage interne, à savoir que les outils que vous allez trouver, que vous allez voir sur votre chemin, posez-vous cette question, est-ce que cet outil me rapproche de moi-même? Est-ce que cet outil m'éloigne de qui je suis vraiment? Certaines personnes vont partager de l'information avec vous. Et l'information est magnifique. On apprend toujours quelque chose chaque jour. Tout comme la nature, on est constamment en évolution, on est constamment en changement, parce que lorsqu'on se couche, on ne se réveillera pas tel que la veille. Juste pour la simple raison que certaines cellules ne seront plus présentes, elles se seront éteintes. Donc déjà biologiquement, on n'est plus tout à fait pareil. Mais aussi parce que justement de nouvelles cellules apparaissent, de nouvelles perspectives s'ajoutent chaque jour, de nouvelles expériences aussi. Et donc on change tous les jours. Et avec ça, il faut aussi qu'on puisse, dans cet élan, dans ce mouvement, y trouver un repère et pouvoir continuer et pouvoir justement rendre cette expérience la plus agréable possible. Donc l'information en elle-même est juste ça, de l'information. C'est à vous maintenant de voir, est-ce que c'est une information qui est pertinente à mon parcours? Est-ce que c'est une information qui me construit, qui est là pour m'élever, qui ajoute à ma vie, qui m'aide à avancer? Ou est-ce que c'est une information qui est destructive? Est-ce que c'est une information qui m'éloigne de qui je suis, qui m'éloigne de mes objectifs, qui m'éloigne peut-être même de mon but dans la vie? Est-ce que c'est une information qui n'ajoute rien à mon parcours, à ma vie? Ce sont des questions qui vous permettent justement d'utiliser votre discernement pour pouvoir vous dire, est-ce que c'est bien une information dans laquelle je pourrais avoir une sagesse qui s'applique à ma propre vie? Toute l'information n'est pas pour tout le monde. Et dans ce cas-là, on revient encore au point soulevé tout à l'heure, qui est de ne pas faire de comparaison entre soi et les autres. Chacun suit son petit cheminement, chacun suit son chemin. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs, nous ne voulons pas forcément finir au même endroit. Et donc, pour cette simple raison, il ne faut pas justement se comparer aux autres, car vous ne savez pas quelle est leur destination. On pourrait être très erroné et essayer justement d'extrapoler sur ce que veulent les autres. Mais ultimement, ce que veulent les autres est quelque chose d'interne qui ne pourra pas se manifester à l'externe et être tout simplement visible pour tout le monde. C'est un questionnement qui est vraiment interne, c'est quelque chose que l'individu connaît de lui-même. Parfois, certains prennent beaucoup de temps avant de le définir pour eux-mêmes et de le planifier, de l'exprimer. Donc si une personne n'est pas capable de l'exprimer, ça va être encore plus difficile pour vous de définir où est-ce qu'elle en est et où est-ce qu'elle s'en va. Donc, c'est peut-être pas une tâche à prendre. Et je pense que lorsqu'on se concentre sur son propre chemin, on n'a pas beaucoup de temps pour faire des comparaisons et pour voir ce que les autres font ou les autres ne font pas. Donc, dans ce premier épisode des lois et des principes de vie de la Maat, lorsqu'on va entrer dans une conversation qui va nous pousser à nous rapprocher de nous-mêmes, chacun des principes va être discuté et utilisé afin qu'on puisse justement faire ce cheminement ensemble. Et donc il s'agit maintenant de vous poser toujours cette question lorsqu'on vous propose une nouvelle information, on vous propose un nouvel sujet, et de se dire, est-ce que cet outil ou cette information me permet d'acquérir un peu plus de connaissances de moi-même? Est-ce que cette connaissance-là va me permettre d'avancer, de faire ce travail pour que je puisse atteindre l'objectif que je me suis fixé ou pour que je puisse tout simplement m'épanouir et être vraiment
qui je suis.